Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le premier message de cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 16 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On va continuer cette semaine avec ce bel oracle, hein, s'autoriser à être soi. Qu'est-ce que c'est s'autoriser à être soi? Eh bien, cet oracle, on a dans cet oracle les couleurs des 7 chakras et quand les chakras ne sont pas alignés, eh bien, il y a des difficultés à avancer sur certains plans et si on peut les remettre dans l'alignement, eh bien, ça nous permet de faire un réel développement hein, sur soi. Et avoir un peu plus de confiance en soi, n'est-ce pas? Cet oracle, eh bien, il va nous aider à recentrer sur nous-mêmes en nous éclairant sur notre univers intérieur. Et c'est cela qu'on appelle s'autoriser à être soi, accepter ses parties sombres pour les mettre en lumière et s'autoriser régulièrement eh bien, à prendre de temps en temps pour nous identifier à travers ces problématiques que nous rencontrons pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Ça ne va pas parler à tout le monde. Je terminerai par ne plus avoir peur. Et avant de commencer, eh bien, vous allez répéter 3 fois, moi je vais le dire 1 fois. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Et merci, mes anges, de me rappeler votre présence. Aujourd'hui, j'ai pigé « Sois expressif de toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est le 3e chakra, parce que c'est la couleur jaune. Et le 3e chakra est associé eh bien, à l'estomac. Il est situé au creux de l'estomac, n'est-ce pas? Au niveau du plexus solaire. Lorsque ce 3e chakra est bien équilibré, il délivre une sensation de paix et d'harmonie intérieure, eh bien, qui nous invite à identifier nos aptitudes et faiblesses et affirmer nos talents personnels avec naturel et sans aucun souci du jugement des autres. Par contre, quand ce chakra n'est pas bien aligné, qu'il est en disharmonie avec les autres chakras, il y a un manque de calme intérieur, une difficulté à lâcher prise, un refoulement des émotions et une incapacité à affirmer eh bien, les talents que vous avez. En d'autres mots, eh bien, les émotions sont bloquées et ça vous procure un stress énorme, un mal-être. Ça peut aussi avoir un ressentiment et une incapacité à être dans l'action pour prendre eh bien, votre vie en main et sortir de votre zone de confort. Ce qui provoque un besoin de compenser en contrôlant ou en exerçant une forme de pouvoir sur vous ou sur les autres. Et je dirais même être excessif
Donc voilà pour le chakra et la signification de cette carte. Sois expressif de toi. Sois expressif de toi. Comment espérer être deviné et compris? Eh bien, si tu es incapable toi-même d'exprimer, et pas que par les mots, hein, c'est-à-dire le monde intérieur qui t'habite. Tu sais, les nombreuses émotions de frustration et le mal-être, eh bien, ce sont des messages. Ce sont des messagers de ton âme. Et cette âme, lorsque cette dernière souhaite signifier que tu es à côté de toi-même, eh bien, tu ne l'entends pas. T'autoriser à les exprimer, tu sais, c'est d'abord les identifier pour ensuite les libérer. Et à partir du moment où tu vas les identifier, tu vas pouvoir les libérer. Tout ce qui ne s'exprime pas, n'oublie jamais, ça s'imprime un jour. Et alors à ce moment-là, eh bien, c'est ton corps qui risque de te rappeler ce que tu as un temps étouffé. Il serait beau de t'affirmer en te donnant le droit, mais oui, en te donnant le droit d'être qui tu es, être expressif, de toi. Et cela peut passer par la créativité, pourquoi pas. C'est un véritable mode d'expression personnelle, n'est-ce pas? Le sport, pourquoi pas? Les larmes, parce que tu as le droit de pleurer, d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ou encore la parole. C'est-à-dire que tu peux tout exprimer, pourvu que tu exprimes, eh bien, ce champ de merveilles qui sont prisonnières de tes peurs. Donc, sois expressif de toi, cette carte met en lumière, hein, que tu dois t'exprimer. Tu ne dois pas t'effacer, tu dois ne pas être ce que les autres voudraient que tu sois, ne pas te taire, exprimer ce que tu ressens. C'est quand même très important. Et exprimer cette partie d'ombre que tu as en toi et la mettre en lumière et en l'acceptant, eh bien, crois-moi, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, on va réaligner ce chakra, n'est-ce pas, en exprimant ce que tu es, ce que tu as en toi. Très, très beau message, eh bien, pour commencer cette semaine. Je termine par ne plus avoir peur. Je me répète chaque jour que tout changement n'est qu'affaire d'entraînement. Lorsque la tâche à accomplir semble insurmontable, il faut se rappeler que nous sommes tous des athlètes de l'âme. Le courage et la force se musclent chaque jour. Très beau message pour terminer cette journée. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À demain.